Bonjour à tous, bienvenue, ça se passe chez nous. Nous sommes à la maison du docteur Bena et aujourd'hui nous recevons donc Jacky Lécard, qui est le président des syndicats d'eau Chambon et Vaux-Budelière. Jacky, bonjour, comment va ? Bonjour, ça va. Ça va bien. Alors, Jacky, c'est toi qui gères tout le dossier de la démolition du barrage de Chacro. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique de ce barrage, à quoi il servait, pourquoi il a été fait ? Bon, alors l'historique du barrage, ce barrage a été fait entre 65 et 68 pour l'alimentation en eau des communes des Vaux, Chambon et Budelière. Voilà, donc c'est un barrage qui contient, où il y avait 90 000 mètres cubes d'eau, mais suite à son non-entretien, il y a eu 45 000 de mètres cubes debout qui sont accumulés dans le barrage, donc l'eau est depuis déjà pas mal d'années impropre à la consommation, donc ce barrage devenait inutile, et l'eau, déjà depuis une dizaine d'années, même plus que ça, on la prend directement au syndicat de la Roseille, qui vient du barrage de manière étrange, vers la Courtine. La date de la construction de ce barrage date de 65, donc ça commence à devenir obsolète, donc vous avez décidé de passer par un autre circuit. Donc, alors actuellement, vous êtes en démolition du barrage. Alors, comment ça se passe ? Là, on est en fin de démolition parce que au 15 octobre, tout sera fini. Le barrage sera complètement démantelé. La boue qui s'était accumulée est déjà tout enlevée. Donc, il finit vendredi au niveau de la boue, et le barrage sera fini de tomber le 15 octobre, et tout le béton sera concassé pour la même date, le 15 octobre. Donc le 15 octobre, il n'y aura plus aucun chantier, quoi. Et l'année prochaine, on va faire un peu de renaturisation, de plantation d'arbres, mais bon, déjà, on a vu que la végétation avait quand même pas mal repris déjà d'elle-même. Donc ça fera déjà un peu moins de frais pour replanter. Quoi. On était un peu coincé depuis qu'on achète de l'eau au syndicat de la Roseille, parce que bon, il y avait le barrage à démolir, donc il fallait qu'on diminue ce barrage pour après adhérer. Et là, j'ai lancé le processus d'adhésion à la Roseille. Donc là, on a pris une délibération qui est partie de la préfecture, donc on va adhérer au syndicat de la Roseille. Enfin, c'est tout un processus, parce qu'il faut que toutes les communes adhérentes à la Roseille le veuille, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, et il y aura l'eau sera un peu moins chère sur les Vaux, Chambon de Bière. Et qui a été l'initiateur de ce projet ? Ben c'est l'État qui a voulu, au nom de la continuité écologique, détruire ce barrage. Et ben je vous remercie, donc ça se passe chez vous, donc si vous souhaitez venir à la place de Jacky, donc n'hésitez pas, rendez-vous sur la page Info en Creuse, et envoyez-nous un petit message. À bientôt.